Hey, salut à tous amis, c'est Inferno, j'espère que vous allez bien et que vous avez la patate. Pour ma part, ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne de la H3ZK et aussi sur ma chaîne. Avant que la vidéo commence, amis, je voudrais remercier la chaîne Code QG si nous upload, ça nous ferait vraiment super plaisir. Et aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau sujet pour parler des Gun Box de Black Ops 3. Et comme le sujet part des Gun Box, amis, je vous présente directement le gameplay qui est un gameplay fait par Obscurity sur la map Nocturne au Gun Box. Donc c'est malheureusement pas une nucléaire, mais n'hésitez pas à aller féliciter le player, sa chaîne sera dans la description. Et aujourd'hui on se retrouve, comme j'ai pu le dire, pour un sujet qui parle des Gun Box de Black Ops 3, mon avis et ce que j'en pense. Donc au niveau de mon avis, amis, des Gun Box, je trouve que c'est une arme de mêlée vraiment sympathique, je la trouve vraiment stylée. Parce que pour le déblocage de cette arme, malheureusement, c'est une arme vraiment pas très simple à débloquer. Pour la débloquer, il faudra faire plusieurs choses. Donc c'est un sorte de contrat pour jouer en communauté, pour pouvoir débloquer. Pour la première partie, je sais plus combien de kills il faut faire. Mais après, il faut monter très très haut et à la fin, on débloquera les fameux Gun Box. Je trouve vraiment que c'est une très bonne idée de la part de Triarch. Parce que de débloquer les Gun Box dans des ravitaillements, et malheureusement, c'est pas très simple de débloquer les Gun Box dans des ravitaillements. On va pas se mentir, parce que certaines personnes, malheureusement, n'ont pas de chance de débloquer les Gun Box. Et donc, les armes comme la clé, la molette et autres, c'était vraiment pas très simple de débloquer toutes ces armes. Donc l'idée de Triarch était de faire un contrat en communauté pour voir que tout le monde joue tous ensemble. Et je trouve vraiment que c'est une très bonne idée. Il y a vraiment beaucoup de choses qui ont été faites pour que tout le monde ait les Gun Box. Et je trouve vraiment que c'est super de leur part. Au niveau de cette arme, les amis, beaucoup de personnes ont déjà sorti des nucléaires avec. Et d'ailleurs, je leur dis un gros GG parce que pour sortir une nucléaire avec des Gun Box, il faut quand même avoir du courage. Donc voilà, et ils ont déjà aussi sorti certaines personnes, dont des youtubeurs que j'apprécie, dont je citerai pas le nom, qui ont déjà sorti leurs armes en Dark Mater. On va pas se mentir, c'est vraiment juste magnifique ce camouflage, surtout sur les Gun Box. Le camouflage il bouge partout, c'est vraiment juste magnifique. Voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas surtout à laisser un gros like à la vidéo, à vous abonner à ma chaîne et à la chaîne de la H3ZK. Je vous remercie encore une fois la chaîne Code QG s'il nous upload. Et on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao tout le monde.